Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou des nôtres ennemis? Il répondit: non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Josué 6, premier verset et deuxième verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Verset 5. Quand ils sonneront de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, Miraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. C'est la parole du Seigneur. Vraiment que Yahweh nous fasse encore sa grâce. Nous voulons aller aujourd'hui rapidement dans le message. Je crois qu'il n'y a pas encore de préoccupation. Le reste, Dieu seul pourra nous enseigner. J'aime bien rester dans l'esprit du texte. Vous regardez d'après ce que nous venons de lire. Israël venait de sortir de l'Égypte avec mission d'aller dans le pays promis. Il y avait des étapes qui devaient traverser. Il y a eu un début de l'exode. Il y a eu aussi la fin de l'exode. Maintenant, nous allons nous focaliser sur ce qui se passe là à la fin de l'exode d'Israël. Pourquoi cela? Dieu nous fera comprendre cela dans la suite des temps. Et vous le marquez dans le verset 5, de verset 6, il est dit: le peuple montera chacun devant soi. Dans l'esprit de ce texte, et à la fin, et l'exode, qu'est-ce que le peuple doit faire? Le peuple doit monter. Ça, c'est la pensée prophétique. Je me fais comprendre. C'est dans cette pensée que nous abordons ce texte. À la fin de l'exode, le peuple devait monter. Mais avant que ce peuple monte, c'est en ce moment que le chef de l'armée de l'Éternel est arrivé. Vous savez, la prophétie est très difficile. Oui, la
La prophétie de la Bible n'est pas les imaginations. Nous attendons un jour, nous allons monter. Nous allons monter pour que nous associons les deux à la fois. Regarde le ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Je répète, il y a eu un début ou le commencement de l'Exode. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Est-ce qu'il a sifflé le début de l'Exode d'Israël? L'élément principal. Dieu est descendu. Il a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Je suis descendu. Pour le délivrer. Et quand Dieu délivre le peuple, il ne laisse pas ce peuple marcher libre comme bon lui semble. Il doit conduire le peuple sous la direction de celui que lui-même a établi. C'est comme ça que vous remarquerez que quand le peuple est sorti de l'Égypte, après la mort de l'agneau, le peuple de Dieu qui en quelque sorte était mort avec l'agneau, oh, il y a une lobe, il y a une souffle, il y a une souffle, il y a une souffle, il y a une souffle,